Voilà, bonjour à tous. Petite vidéo. Aujourd'hui, la récolte de l'Artemisia annua. Voilà les plants, une partie des plants sont en maturité. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2021. Oui, un petit chien qui me suit. Voilà un plant en maturité, largement en maturité. On pourrait encore les laisser jusqu'à octobre, novembre. Mais là, il y a déjà les boutons qui commencent à se former pour hop là, les comment ça s'appelle, je sais pas, les inflorescences ou quoi, les futures graines. Alors on n'est pas encore à la pleine lune. J'aurais préféré les récolter à la pleine lune, mais j'ai pas envie qu'ils fassent trop de fleurs et trop de graines. Je veux récolter la plante verte, essentiellement les feuilles. Alors on va voir tout de suite en quoi ça consiste. Voilà, le petit toutou me suit. Et voilà, oui. Alors voilà le reste. Voilà, comme vous voyez, j'en ai déjà récolté plein. Il y en a qui est déjà sec, déjà en sachet. On va voir tout de suite la récolte, comment ça se passe. Alors, avant de passer à la récolte, je tiens ici à rendre hommage, à passer le bonjour au docteur Hans Martin Hirsch, duquel j'ai beaucoup appris, notamment sur la récolte de l'artémisia. Voilà, alors si ce brave docteur Hirsch voit cette vidéo, bien le bonjour à vous et tous mes remerciements pour tout le mal que vous donnez, notamment en Afrique, pour votre lutte contre le paludisme. Bien le bonjour à vous, docteur Hirsch. Voilà, alors j'en ai encore là. Ceux-là, ils sont plus petits. Ce sont des plants que j'ai repiqués au mois de juin, il me semble. Je ne les laisserai pas arriver à maturité, sinon ça va m'en faire trop. En fait, cette année, j'en ai tellement que je pourrais presque en vendre. Une nounours. Voilà, alors je ne vais pas vous faire l'affront de
vous expliquer à quoi sert l'Artemisia, pourquoi c'est bon et tout ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le savez déjà. Alors, celui-ci, il est à moitié à poil. Ça veut dire que j'en ai déjà récolté une partie. Alors là, en principe, j'aurais pu le laisser jusqu'au mois de novembre. Et tout ce qu'on voit ici, on va repousser d'ici là. Mais bon, là, c'est pas la peine. Il y en a largement assez. Une petite pause. Et on redémarre. Alors, l'Artemisia aime bien le soleil. Il a besoin de beaucoup d'eau. Et comme cette année, il a beaucoup plu, la récolte est exceptionnelle. C'est ça. Hein? Non, mais il fait juste 90 kilos. Ceci dit, le docteur Hirsch conseille d'en garder une partie pour les animaux, si vous en avez. Alors, celui-ci, il fait un peu plus de 3 mètres de haut. C'est énorme. C'est en fait la taille maximale qu'ils peuvent avoir. Peut-être en Afrique, ils font un peu plus, mais j'en sais rien. Ici, dans le nord-est de la France, c'est déjà une belle taille. Hein. Voilà, on va voir comment on dépouille les branches. Oups. On prend un peu au-dessus. Voilà. Hop. Et voilà. L'extrémité, et ça, hop, sur le tas. Ça, c'est la technique du docteur Hirsch. Et voilà. Super. L'année dernière, je m'étais emmerdé à cueillir chaque truc séparément. Je préfère la technique Hirsch. Et voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit à poil. Voilà, il est à poil. Voilà, les troncs, je vais couper. Hop là, tu m'as les fait aussi. 3 mètres. Voilà, et au compost. Et voilà. Voilà, alors on coupe tout en morceaux pas trop petits, pas trop grands non plus. Avec des bons ciseaux. Le premium, on le fait à part si on veut. Et on le séchera et stockera à part également. Voilà. C'est un peu de boulot, mais ça va tout seul. C'est facile et ça sent une odeur incroyablement bonne. L'Artemisia frais, c'est incroyable l'odeur. Alors, à ne pas confondre avec les autres variétés d'Artemisia. C'est Artemisia annua. Voilà. Une fois que tout est coupé en petits morceaux, on se retrouve au séchoir. Alors, je sais qu'il y a des tas de vidéos sur l'Artemisia sur Internet, notamment sur YouTube. Voilà, ben, ça en fera peut-être une de plus. N'empêche que j'ai voulu vous faire profiter de mon expérience à moi que j'ai accumulée avec maintenant la 4e année consécutive. Voilà. Alors, chacun fera comme il veut, mais voilà, c'est comme ça que moi je fais. Voilà. Alors, en Afrique, ils consomment l'Artemisia contre le palud. Ici, en Europe,
n'y a pas, pas vu, alors on s'en sert contre le coronavirus, et eh oui, et toutes les infections virales, les maladies hivernales, et ça marche du tonnerre. Voilà, on est ici dans mon séchoir. Il ne fait pas très clair, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais c'est fait exprès. Parce que l'artémisia, comme toutes les plantes d'ailleurs, va sécher hors lumière. Il faut juste qu'il fasse tempéré, ni trop humide, ni trop chaud, et sans lumière. Voilà, on éparpille tout ça. Puis l'air, la circulation d'air et la température va faire le reste. Et voilà. Voilà. Voici le produit fini. Artemisia annua séché. Alors, le docteur Hirsch conseille 4 jours de séchage. Mais bon, tout ça, ça dépend du taux d'hygrométrie, de l'humidité de l'air, et le taux d'ensoleillement, la température au séchoir. Il faut que le produit fini reste souple à l'oreille et ne craque pas. Là, vous savez que vous avez l'hygrométrie, le taux d'humidité optimal. Voilà. Prêt à être infusé et bu en tisane. Voilà. Une fois que c'est conditionné, vous pouvez mettre en boîte métallique comme ceci ou conditionner en sachet hermétique et ça se garde plusieurs années. Et voilà le travail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez un pouce bleu. Ciao.